On va faire le même exercice, mais cette fois avec un chien hyper agressif. Dans, et là, par contre, il faut le sortir. Je précise, c'est un chien entraîné et dressé pour la formation. Allez, Allez, je m'adresse à vous, à tous les élus, à tous les chefs de service. Monsieur le maire, toutes les collectivités territoriales, les élus, les chefs de service qui vont regarder cette vidéo, je vous informe qu'il est important pour la sécurité de vos agents de pouvoir les équiper convenablement avec le matériel adapté, c'est-à-dire du véhicule jusqu'à la protection individuelle des agents. Bienvenue chez Eric Ramson, centre de formation canin diplômé d'État, formateur canin habilité pour la formation destinée aux policiers municipaux ainsi que toutes les collectivités territoriales qui emploient des unités spécialisées. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle formation destinée à la capture des chiens errants, dits dangereux et en divagation, accompagnée de la police municipale et accompagnée de la police de l'environnement. Ainsi, un cas pratique avec un chien spécialement dédié, éduqué et dressé pour ce genre d'intervention. Je précise qu'il ne faut pas refaire ça chez vous. Est-ce que cette formation théorique vous a plu? Oui, au top. Ouais. Au top. C'est au top. Très bonne formation, enrichissante. On apprend énormément de choses et on se remet même en question sur notre travail de tous les jours. D'accord. Parce que quand on est sur le terrain, sans cette formation, en fait, on a une méthode de travail qui n'est pas forcément la bonne. Sans cette formation, moi, je vais me remettre vraiment en question et peut-être essayer d'approfondir un peu plus dans mon domaine et de prendre plus de recul au niveau de la sécurité. Moi, je rejoins ce qu'il dit. Hein. Effectivement, ça permet de se remettre en question sur le terrain. De pouvoir se poser les bonnes questions et de savoir comment on doit agir pour faire au mieux, pouvoir changer certaines choses au sein de la police municipale, des changements et tout en restant dans la légalité. Toi, en tant qu'APJA, est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Ah, beaucoup, oui. Bah, surtout sur le terrain avec l'animal, puisque on a une approche de l'animal, on sent la morsure, voilà, ça nous permet d'aller au-delà des appréhensions qu'on peut avoir. Donc, ce qu'ils ont dit, hein, de toute façon, parce qu'il m'a, ce que ça m'apporte surtout, c'est de savoir comment intervenir auprès de la personne, du propriétaire du chien, savoir ce qu'on va lui demander, comment ça va se passer, savoir à peu près les réactions du chien aussi, agressif, pas agressif. Savoir comment réagir et prendre une demande sur ce qu'on doit leur demander. Nous sommes encore dans la formation capture de chien errant, capture de chien en divagation ou chien mordeur. On va imaginer la situation suivante. On va imaginer que vous êtes dans un chenil, comme celui-ci, avec un chien errant que vous ne connaissez pas, même s'il est gentil. On a une clé ici, c'est sécurisé, vous avez vu. On peut pas mettre les mains, c'est important. Il faut mettre des portes qui permettent justement de ne pas mettre les doigts ou les mains à travers le grillage parce que vous risquez une morsure. En revanche, voilà ce qui peut se passer. On va imaginer que là, j'ai pas fermé à clé mon box. Voilà. Le chien, on ne le connaît pas. Ouvre. Allez, ouvre. Allez, tu rouvres, allez, tu rouvres. Allez, tu rouvres. Bien, ma fifi. Ça, c'est bien. Voilà. Je précise que cette chienne est spécialement dressée pour cet exercice. Allez, entre. Voilà. Donc, maintenant, si je verrouille, et que forcément j'y ouvre la porte, elle ouvre la porte, et ben c'est fermé. Et là le chien ne peut plus. Ouais, et oui, elle t'a eu, c'est bien ma pupu, tu as gagné. Allez, c'est bien, c'est du bon boulot ça les gars. Doucement, voilà, bien. Elles sont que ça ne pas faire, elles hein. Ouais, voilà. Très bien. Jax, halt. Au pied. Bravo. Bien, très bien. Flow en tout cas, très rapide. Bien. Allez, c'est bien ça, voilà, allez, aidez-la. Allez, bébé, attention. Tiens, bien. Allez, voilà, superbe sécurité, oh, vous êtes beau là, vous êtes bien là. Superbe, on vous applaudit. On peut vous applaudir, vous pouvez vous applaudir. Là, ça va être une attaque de chien. Voilà, tout bien joué, Salem. Reviens vers moi que le chien, tu l'as crassé. Bien bébé, bien, voilà. Très bien Salem.
Doucement, tranquillou, là, on va pas lui faire mal, c'est bien, c'est fini. C'est très bien. Non, non, regarde comme ça, c'est bien. Hein, un tout petit peu là. Là, bébé, ouais. Ouais. Et là, je te laisse un petit peu. Voilà. Doucement, hein, serre pas trop. Allez, monte. Attends, attends, doucement. C'est bien, laisse là. Laisse en fait. Ouais, en fait, t'as l'envie de me mordre. Voilà, c'est bien, c'est bien. Tu l'avais, hop, stop, 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 bien, stop, tu l'avais. J'ai failli. Attaque. Halt. Viens là. Ouais. Joli. Joli, Salem. Félicitations. À travers. Vas-y, le chien, vas-y, tu peux y aller. Tête de là. Attention, le chien, là. Attention, hein. Ouais, ah oui, bien, bien. Attention. Ouais bébé, voilà. Oh. Hey, t'enflamme pas trop, ici. Viens là. Hac. Bien. Tu l'agresses, elle va venir. Aïe. Hac. Au pied. Jack au pied. Hein. Putain, c'est impressionnant. Hein. Va dire bonjour, c'est bien. Pas touché. Hein. Voilà. T'arrêtes là. Pas touché. Pas touché. Voilà, voilà. T'arrêtes là. Voilà. Voilà. On va dire que tu as réussi la capture, on va te presser encore un peu plus. Encore. Voilà, et là maintenant tu parles à tes collègues c'est pour bien. Sortir. Allez. Attention, l'emmènes. Je sors. Allez, ma belle. Voilà. Bien. Wow. C'est bien. Merci. 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 Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.